Bonsoir mes taureaux, comment allez-vous? C'est Nathalie, j'espère que tout le monde va bien. Donc là, c'est une générale pour le mois de mai. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Voilà. Donc de toute façon, je vous dis bonsoir ou bonjour parce que vous les aurez demain matin en réalité, vu le compressage de temps que ça met. Alors, merci pour tout, pour vos likes, pour vos abonnements. La petite cloche, il faut l'actionner. Et puis, il y a une encoche comme un V, vous cliquez dessus, vous choisissez toutes. Et c'est comme ça que vous recevez toutes les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Merci pour vos commentaires, les petites fleurs, les petits cœurs. Merci pour tout, hein. Merci pour votre soutien. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Il faut visualiser là, hein, mes taureaux, il faut ressentir les choses, c'est important. Faut vibrer positif ici, hein, d'ailleurs. Appuyez-vous sur vos acquis. Et vous ferez la paix avec votre histoire, d'accord? Ici, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui fait la paix avec ses ancêtres. Peut-être vous avez coupé avec le transgénérationnel négatif, parce qu'il y a du positif aussi, heureusement. Ou alors avec ses ancêtres, ou alors avec quelqu'un de la famille, ou en couple, hein, d'accord? Ça peut être ça aussi, hein. Mais on fait la paix, hein. C'est ce qu'on vous dit. Ici, on vous dit les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cessez d'être négatif. Ça revient à ce que je viens de vous dire, hein. Ok. Pour obtenir la paix, voilà, il suffit d'y penser, mes chers amis. Ben, vous voyez, ça parle beaucoup de paix, hein. Crois en ton pouvoir intérieur. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Positivez, s'il vous plaît, hein, parce que certains de vous peuvent réussir, hein, d'accord? Alors, ici. Ayez foi, croyez en vous. Le monde. Ah oui, là, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. La maison, le foyer, la stabilité, d'accord? La sécurité, vous voyez? C'est les contrats aussi, hein, pour certains de vous, vous allez dans la joie, dans le bonheur. D'accord? Il y a des signatures, des contrats. Vous allez être dans l'amour, le don de soi, mais dans l'amour, en fait, hein. Tellement, vous êtes, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Vous êtes heureux, tellement que vous êtes dans le bonheur total, tellement que vous êtes heureux que la coupe, elle déborde de bonheur. Et pour d'autres, il se peut que vous avez un nouvel amour ou vous allez rencontrer une nouvelle personne. Ça, c'est possible. Après, il se peut aussi que vous allez tempérer, hein, d'accord, tempérer et voir un petit peu, peut-être se calmer aussi, hein, ça, c'est possible. On va vers un équilibre et la paix, hein, de toute façon. Bon, dans peu de temps, on vous dit que quelqu'un va rencontrer une personne ici. On parle de rencard. Comment je vais ramasser? Je me suis fait un tour de rein. Ouais, bon. Alors, dans un couple, on parle de divorce, de trancher, de devoir trancher, de prendre une décision. Ici, c'est pareil, si on a des brillantes idées, on a envie de quelque chose, on va trancher, hein, c'est de ça que ça parle. C'est quand même l'étudiant ici, hein. Donc, on pourrait parler d'études, peut-être par rapport à un enfant. On peut parler d'études, d'éducation, on peut parler de formation, d'alternance, mais même un nouveau emploi ici, hein, ça c'est possible. Hein. Et voilà.
Ça veut parler chez vous. Il y a un choix à faire au niveau de l'amour. D'autres, vous rencontrez l'amour et vous reprenez du poil de la bête, hein, d'accord ? Au niveau mental aussi bien que physique, hein, c'est la force. Et ici, on a qui ? On a la reine, de coupe. Et là, vous avez le roi, en fait. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Non, mais je dis aïe, aïe, parce qu'elle me pousse sans faire exprès. Je sais même pas dans quel état je vais me réveiller demain, mais bon, on verra bien. Alors. Il est possible aussi que... On parle de mûrir aussi pour une personne, de comprendre quelque chose, c'est possible, hein, d'accord. Pour d'autres, en fait, il est possible parce qu'on réfléchit, puis finalement on réfléchit et on se rend compte aussi de nos erreurs, ça c'est possible. Et puis sinon, bah écoutez, là ici, il y a quelque chose vraiment qui vous fait plaisir. Il y a un nouveau départ, hein, pour certains de vous, hein. On est dans la joie, dans le bonheur. Surtout au milieu, là, avec ce monde en haut et puis au milieu, cette coupe d'amour. C'est juste magnifique. Faites voir les couples. Le contrat. Ça peut parler de divorce ici. Hein. Ou alors un contrat. On parle de contrat. Ça, c'est possible. Et on va fêter l'événement. Pour, par rapport au travail, hein, par exemple. Ou Algis, c'est pas grave. Par rapport au travail, on va les recouvrir. Par rapport au travail, certains de vous, vous allez vous mettre à votre propre compte et vous allez travailler de la maison. D'autres, signer des contrats, des partenariats, vous voyez. Pour certains de vous, peut-être que vous travaillez trop et du coup, en fait, on travaille, on plonge la tête dans le travail, on s'occupe pas. Justement de la maison, quoi. On s'occupe pas de son autre, il ou elle. Hein. Faites attention, hein, parce que il risque d'avoir des problèmes. Donc, c'est bien beau de travailler, d'éviter les problèmes ou travailler pour l'argent, mais rien ne va plus ici. Hein. J'ai la rupture dans un couple ici. Hein. Aïe, bon, alors, qu'est-ce que c'est? Alors, j'en ai un des deux qui essaye dans un couple de faire les efforts, mais à quoi bon? Il y en a un des deux qui est tellement déçu, qui a fermé son cœur. L'autre... Pardon, l'autre offre des cadeaux, offre des fleurs. Enfin, l'autre essaye d'être gentil, tout ça. Mais là, non. En fait, il y en a un des deux qui est froid, qui a fermé son cœur, qui a bloqué son cœur. Alors, c'est possible qu'il y en a un des deux que c'est un non-retour. Hein. On ne veut plus revenir. Ça, c'est possible. Hein. Attendez. On parle de quoi? On parle de réconciliation. Moi, je pense qu'il y en a un des deux qui veut se réconcilier. L'autre, non. Cadenasser son cœur. Et même dit non, c'est plus karmique entre nous. C'est terminé. On parle de trahison. Et il y en a un des deux qui déménage ou qui s'en va ou qui a déménagé ou qui va déménager, qui part. Peut-être qu'il y en a un des deux aussi qui se dit « Mais viens, on s'en va en vacances et puis tout va s'arranger. » Mais non, il y a la trahison, le coup bas, donc ça ne va pas. C'est ça qui ne va pas. Ensuite, ici, pour mes célibataires, on est prêt à donner son cœur. Pas tout le cœur quand même, hein, n'est-ce pas? Vous en avez besoin un petit peu pour vous, hein. Vous avez besoin de garder des énergies pour vous, bien entendu. On est dans l'espoir, d'accord?
Par contre, faites attention parce que j'ai quelqu'un qui est libertin ou libertine et qui vous illusionne, hein, d'accord? Qui fait, c'est possible que cette personne-là. Alors, si vous êtes d'accord, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il y a quelqu'un qui donne de faux espoirs dans le sens, faites bien attention, hein, parce que là, cette personne, elle tend son cœur comme ça, comme si, son cœur n'a pas de valeur. Là, on se lance, on est dans l'illusion. Il y a quelqu'un qui nous illusionne, qui nous donne des faux espoirs, et c'est l'échec. La personne, elle est très attirée par vous et elle va se servir et puis après elle partira. C'est l'échec. Donc, aïe, vous êtes prévenu. Vous êtes prévenu. Mais cette personne a l'habitude de faire ça, hein, je vous dis d'avance. Hein. C'est quelqu'un qui a l'art et la manière justement de manier le verre. C'est quelqu'un qui sait très bien quoi vous dire. Voilà, c'est tout ça. Qui sait quelle histoire raconter, qui a l'habitude. Et vous n'êtes pas sa première victime, moi je dirais. Donc faites attention de ne pas vous faire illusionner. Prenez le temps avant de vous lancer, d'accord? Parce qu'il y a une grande attirance et cette personne elle sait attirer aussi, hein, je vous l'ai dit, hein. Elle sait vous dire les choses que vous avez envie d'entendre et tout ça, mais c'est l'échec. Donc faites attention s'il vous plaît. Et là on a la carte de la naïveté, de la souplesse, flexibilité. Donc faites attention s'il vous plaît. C'est une personne peut-être, ouais, c'est la sexualité, hein. Donc, c'est ça, on revient à cette, comment dire, carte de la légèreté. Et peut-être que cette personne, elle vous a dit, oui, moi, je veux vraiment quelqu'un, une relation sérieuse, alors que c'est pas du tout le cas. Mais elle s'en fiche, cette personne, du moment qu'elle sert et qu'une fois qu'elle obtient ce qu'elle veut, elle s'en va. Et elle fait du mal et elle laisse les gens comme ça derrière elle. Dans la souffrance. Donc, ne vous laissez pas illusionner. Prenez le temps justement. Vraiment, prenez le temps. C'est ce qu'on vous dit. On donne pas sa confiance comme ça. D'accord? Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation avec moi. Vous avez tout en dessous. Afficher plus en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus sur afficher plus. Tout se déroule. Vous avez mon site Nati Natura Voyance. Je vous souhaite une bonne reprise pour demain. À bientôt. Bisous.